Bonjour, je suis tellement ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Alors, on passe à la deuxième situation. C'est à la pisserie du thème faire les courses. Alors, à la pisserie, le client, alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Bonjour monsieur, je voudrais un morceau de comté s'il vous plaît. Voilà monsieur, et avec ceci, donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. Voilà, ce sera tout. Non, il me faut aussi 4 tranches de jambon s'il vous plaît. Et je vais prendre 2 bouteilles d'eau plate. D'accord? Alors je recommence à la piscine. Il y a un dialogue entre le client et l'épicier. Alors, le client dit, alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Alors, je répète, à l'épicerie, le client, alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Bonjour monsieur, je voudrais un morceau de comté s'il vous plaît. Voilà monsieur, et avec ceci, donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. Voilà, ce sera tout. Non. Il me faut aussi 4 tranches de jambon s'il vous plaît. Et je vais prendre 2 bouteilles d'eau plate. Alors on passe maintenant à manière de dire. On dit, je voudrais. Il me faut, donnez-moi, je vais prendre, par exemple, je voudrais un paquet de biscuits, je voudrais un pot de crème, il me faut un morceau de fromage, il me faut une tranche de jambon, donnez-moi, par exemple, un tube de mayonnaise, je vais prendre, par exemple, une bouteille d'huile, d'accord? La remarque de vocabulaire, ici, il y a partie de vocabulaire, comme des produits de base, le riz, les pâtes, le sucre, la farine, la confiture, le miel, les conserves, la sauce tomate, la mayonnaise, l'huile, le vinaigre, le sel, le poivre, l'eau minérale, le vin et la bière. Des produits frais. On a le jambon, le fromage, le lait, le beurre, les yaourts, la crème fraîche, les œufs, les fruits, les légumes, etc. Pour la viande, on dit le porc, le bœuf, l'agneau, le veau, le poulet et le poisson, le saumon, la truite et l'autre. Alors, remarque de vocabulaire, on distingue l'eau minérale comme plate. On dit l'eau minérale plate, sans gaz, c'est-à-dire sans gaz, comme l'exemple de Evian ou Volvic. Et l'eau gazeuse, comme Perrier, Badois, etc. Côté grammaire, on a quantité indéfinie. Comme du jambon, du fromage, c'est un nom masculin, de la confiture, de la crème, c'est un nom féminin. Nom féminin commençant par H ou une voyelle, de l'eau, de l'huile, nom pluriel, des biscuits, des épinards. Voilà. Alors c'est tout pour le moment, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un cours de communication progressive de français, destiné uniquement pour les adolescents, les faux adolescents, les adultes qui ont un niveau un petit peu passable qui aimerait bien sûr améliorer leur façon de communiquer. Alors si vous aimez bien sûr ces vidéos, vous pouvez mettre des likes. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner dans notre chaîne. Ajoutez aussi vos commentaires. Merci. C'était avec vous, Monsieur Youssef Dallal de la chaîne Je Communique TV.